Deux maintenant. Oui, on est là. Ah, on va retrouver Honolulu avec le numéro 22 qui s'appelle Leader de Lafayette. Il nous est présenté par Alban Augier, c'est-à-dire le RL de Lustière à Lode, dans l'Allier. Il est né le 10 avril. Le 10 avril, c'est Leader de Lafayette. Par Honolulu, donc le père des brutes de Kerbar, Nirvana de Lafayette, a gagné. A gagné à Paray-le-Monial, pas loin d'ici. C'est la famille de Giordelli. Bon cheval de. Ça remonte un petit peu, mais c'était un bon cheval de Cagnes. Et puis près de nous, Urban Inn, qui a gagné un groupe 2 en Angleterre. C'est le sixième produit de la mer, Nirvana de Lafayette, même fille de roi de Rome. Et la mère étoile du Merve est par Yves de Merve. J'avoue que je ne connais pas Yves de Merve. Étalon à QPS, mais en tout cas, c'est par le croisement de la troisième mère, Adinette, avec Yves de Merve que la famille est rentrée dans le giron. Juste une boucle à QPS. Yves de Merve. C'est un fils de Verdi. Tiens. Et ça, c'est marqué sur le catalogue. Vous en savez plus, mais ils ne font pas. C'est des choses anciennes. Oui, ça date un peu. Mais bon, en tout cas, Yves de Merzé a été l'un des rares étalons à QPS. Il a toujours fait peu, d'ailleurs, des étalons à QPS. Il y en a que deux qui fonctionnent actuellement en France. Deux cousins, d'ailleurs, Midor et voilà, deux groupes. Ouais, mais j'ai pas voulu le redire.